un art, l'art de vivre. Et cet art de vivre, elle est reconnue et se reconnaît de plus en plus parmi nous qui voulons nous défaire de ce qui n'est pas excellent, une vie excellente. Eh bien, c'est de savoir comment rester en soi, avec soi, sans se laisser avoir par nos propres pensées. Les pensées régissent notre monde. Elle est le pilier de ce que l'homme est aujourd'hui. Nous marchons, nous circulons, nous nous activons avec des pensées, avec la faculté de projeter nos désirs, la faculté de projeter ce que le monde serait. Et nous avons fait ce monde avec toutes les pensées qui nous ont accaparées. Et donc, voilà, cet art, justement, c'est de pouvoir construire un monde qui ne ressemble pas à nos pensées, qui soit complètement étrangère à ce que veut penser. Nous sommes assaillis de pensées. Et notre être, il est bousculé, il est accaparé par quelque chose qui nous semblerait efficace. Mais en fait, quand cela se passe à notre insu, à l'insu d'être dans le silence de soi, à l'insu du contrôle qu'on a sur ce qui se passe. Parce que nous sommes, nous, la vitalité qui contient l'existence de la matière. Et nous devons transcender la matière pour pouvoir vivre avec la matière sans en être impacté. Parce que le profond de toi n'est pas matière. Le profond de toi, c'est quelque chose qui vient du néant, d'un vide, d'un rien, où rien de concret ne peut être touché. Mais tout ce qui est là, à ce moment-là, c'est la réalité la plus pure qui puisse exister. Parce que ce que nous avons fabriqué, ce que nous voyons avec nos yeux, c'est le résultat de ce que nos pensées nous dictent. C'est le résultat de tout ce que nous avons appris. Donc nous le voyons de cette manière. Et si ton être est embarqué par ce que tu vois et comment tu interprètes les choses, tu n'es plus dans le contrôle. Tu es dans un besoin d'exister dans ce qui existe. Donc tu es dans le monde et tu es ballotté par toutes sortes de choses, toutes sortes de pensées qui arrivent. Elles t'embarquent, elles t'hypnotisent, elles te dictent, elles te gouvernent, elles te mènent par le bout du nez. Elles font de toi un programme qui doit être exécuté. Mais rester là, silencieux, sans que tu ne sois épris par ce qui se passe, c'est la chose probablement la plus subtile à faire.
Et cela s'apprend. Et nous allons passer un petit moment là à apprendre. Apprendre comment être présent sans se laisser avoir. Apprendre à s'arrêter, apprendre à ralentir, apprendre à ne pas agir selon les directives. Les directives instinctives, l'envie instinctive d'agir. Parce que l'envie instinctive, elle répond aux pensées. Mais ton cœur, lui, ne répond pas aux pensées. Ce que tu es, est libre de toute pensée. Et elle n'a rien à faire avec les pensées. Elle est un monde en lui-même où se tient toute la puissance de ce que la joie peut donner. Et cette joie, elle est en toi. Il ne faut pas croire que le plaisir que la pensée te donne sera la joie. C'est un substitut de la joie, qu'on appelle plaisir. Mais elle ne te remplira pas. Elle te laissera vide. Il n'y a que la joie que tu as, ou l'instant où tu es présent, dans ce havre de paix, où tu contrôles tout. Parce que tu restes avec ce qui est réel. Mais quand tu es dans l'illusion, ben tu veux beaucoup plus d'illusion, toujours plus. C'est exponentiel. Et tu t'amuses à croire que ce sera la prochaine. Donc tu es envahi par un cercle vicieux de désirs qui ne s'arrête jamais. Tu veux toujours avoir un peu plus de ce plaisir. Mais tout ce plaisir, justement, nous leurre. Parce que ce sont ce que nos pensées nous proposent. Et on n'est plus en contact direct avec ce que la vie allait au sein de soi. Parce que tout se passe au sein de soi. Et rien d'autre ne se passe dans notre vie, à l'extérieur de nous. Ce qui se passe au sein de soi, c'est la source de la vie, elle vient de là. Et si tu es celui qui manifeste cette vie, eh bien, tu dois justement ne pas t'encombrer de pensées, parce que quand tu manifesteras ça, cette émergence sincère que tu es, ce que tu es, eh bien, viendra interférer dans cette perception, dans cette émanation, dans cette manifestation, viendra interférer les pensées. Et une fois cette émergence interférée par la pensée la transforme, la pensée l'organise. Et tu organises, en fait, ce qui sort de toi. Donc tu arranges, tu fais en sorte, enfin je dis tu, ce sont les pensées que tu t'es identifié avec, puisque si tu es dans les pensées, tu deviens les pensées et tu crois que c'est toi qui agis en tant que pensée. Donc les pensées vont prendre la chose, vont prendre l'émanation de toi, ce qui est sincère en toi, et elle va le transformer en quelque chose qui soit adaptable à ce monde. Et tout ce que tu veux, c'est que ce qui sont
ce que la pensée veut, ce qui sort, soit au goût d'un ordre établi. Mais la vie qui sort de toi, si elle est organisée, si elle est arrangée à ce que le monde est, tu seras leurré. Le monde sera un leurre. Et nous croyons que cette organisation est juste et bon pour l'être humain. Mais nous avons appris aussi, c'est pour ça qu'on parle de cet art de rester avec soi et de ne pas se laisser embarquer par les pensées, parce que ces pensées ont fait aussi le monde que tu connais. Tu sais la misère qu'il y a dans ce monde aujourd'hui. Les gens qui meurent de faim. Toutes ces histoires à n'en plus finir, les drames de gens qui basculent dans le suicide parce que ce que le monde offre n'est qu'une illusion. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que ce qui émane de toi. Si cette chose reste vraie, eh bien tu seras heureux. Parce que tu t'appuies sur quelque chose qui est terriblement envahissant de joie. Parce que ce que tu es n'a rien à voir avec l'illusion. Tu es une réalité de cette émergence, de cette manifestation, quand ce qui sort de là est la sincérité, qui est tout l'aspect de ton être pur, quand tu es sincère, quand tu es sincère avec toi-même, et que tu laisses paraître, tu laisses émaner cette sincérité dans tes relations, dans tes rencontres avec les gens. Il se passe quelque chose d'autre parce que tu ne construis plus l'illusion. Tu ne fais plus partie de celui qui alimente toute la société qui existe en ce sens-là. Tu n'es plus cette entité, cette personne qui fait ça. Tu es celui qui, au contraire, qui vient peut-être, que dérange un peu tout ça. Parce que tu as su garder ce passage entre ce que tu es au plus profond à s'écouler de toi, sans que la pensée intervienne, sans que la pensée organise tout ça. Il y a une fluidité libre qui s'est produite et qui n'a pas été touchée. Parce que c'est ce qui se passe dans notre monde. On retouche tout ce qu'on doit dire parce qu'on a peur. On a peur de ne pas être ce que le monde est. Donc on manifeste ce que le monde veut voir pour que tu sois accepté dans le monde. Donc tu t'es organisé pour être celui qui plaît au monde. Il faut que tu comprennes que cette émergence en toi a besoin de toute la capacité d'être restreint à une émergence de toi-même, être centré sur une chose, une seule chose, et que ton esprit ne soit pas diverti par rien d'autre que ce qui est là, présent, dans cette pureté de toi.
Apprends à faire ça. Et apprends à parler avec ce langage. Ce langage qui n'est pas organisé. Ce langage qui s'exprime crûment. Et ne t'inquiète pas, tu trouveras quand même des gens qui vont certainement te brimer et te dire comment tu dois parler. Et c'est ce qu'on t'a dit toute ta vie. N'écoute plus personne. Laisse ton cœur parler. Laisse ce qui est se manifester. Et ne l'organise pas. Et comment tu t'arrêteras de l'organiser ? C'est de voir le mensonge que tu es qui veut s'accaparer de l'expression. Quand tu as vu ce mensonge, quand tu as vu que tu es un mensonge qui veut s'accaparer de l'expression sincère, alors l'intelligence reprend contrôle. Parce que tu es cette intelligence. Quand tu vois, tu es intelligent. Quand tu vois ce qui se manifeste, quand tu sais regarder depuis ce calme intense, ce silence incroyable, ce qui se manifeste, alors c'est cette intelligence, l'intelligence de laisser les choses être. Et de ne pas en faire quelque chose de sale, un gâchis que la pensée propose. Et si chacun de nous, on apprend cette émergence, ce calme, on apprend à être dans ce havre de paix, alors on pourra se rencontrer et se contacter dans une communion profonde. Et plus on sera à le faire, plus les événements de notre société vont exponentiellement se transformer en quelque chose que nous voulons vraiment. Parce que ce que nous voulons vraiment, c'est ce qui vient de ce havre de paix, de cette tranquillité, de ce que nous sommes vraiment, de cette aspiration. Laisse donc la manifestation de ce que tu es être visible dans tes paroles, dans tes actes. Et oublie les actions impulsives de la pensée qui te dictent comment tu dois être. N'écoute pas.